بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال عليه الصلاة والسلام ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البغي Frères d'Islam, alhamdulillah, après quelques semaines d'incertitudes que nous y trouvons nous-mêmes dans une situation chaotique, une situation critique, vers une assistrice qui finit de commencer, alhamdulillah, par conscience qui nous finit prendre, ou bien par conscientisation qui nous finit prendre, ou bien par précaution qui nous finit prendre, et surtout par ce qui nous finit faire, c'est par doua, ou bien par demande pardon qui nous finit faire, Allah subhanahu wa ta'ala fin accord nous l'appli. Ça va un jour là, alhamdulillah, nous fin gagne la pluie abondamment. Mais en même temps, il y a une certaine culture qui nous faisait réaliser, c'est nous faisait penser qu'il y a une famille qui vivent jour pour jour vous êtes. Et une famille qui est la case, n'est pas capable de prendre ça à son niveau de l'eau là. Et une famille, je banne meubles, je banne électroménager, fin endommagé. Alors, nous dire oui, nous besoin l'appli vous autres, mais nous besoin aussi une appli qui pas cause une difficulté. Alors, nous dire, Ya Rab, nous remercie toi pour faveur que tu viens faire. L'eau nous en termes l'appli, mais faire ça l'appli là, vient profitable pour nous et protège toute la famille mauricienne. Et aussi, pas faire ça l'appli là, vine un moussouiba, vine un problème, vine une difficulté. Amin. Nous disons, aujourd'hui, les concerne une quitteuse qui nous dit, les fin valorise sa quitteuse là. C'est une quitteuse qui la société, nous les mondes modernes, fin dévalorise sa quitteuse là, mais nous dit, fin donne sa quitteuse là valeur. Nous tous connaissons comment aujourd'hui, quand nous trouvons un kiken qui est bien clair, il a une jolie teint claire, ce lisier gris ou bien ce lisier vert, ce cheveu blond ou bien satin, nous disons les touristes. Et nous donnons beaucoup d'importance comparé avec un celui qui se la peau noire. Comparé avec un celui qui se cheveux crépis, comparé avec un celui qui se lisier couleur noir. Ça l'aspect qui nous est en déo là, ou bien comme on appelle nous physique, c'est sa société là, ça le monde moderne là qui fin enseigne nous qui besoin de couleur la peau, qui besoin de couleur telle couleur lisier. Etc. Léa, sa personne, les gars, va lire. À cause de ça, même aujourd'hui, nous trouvons que beaucoup de gens sont en guerre contre eux-mêmes, contre la nature. Je finis la peau noire, je fais la guerre pour une blanche, vous êtes. Je peux faire toutes sortes d'opérations ou bien peut servir, toutes sortes de produits juste pour les gars et certains clés, afin qu'ils montent dans la société. Les gens ne vont pas lire. Ça, c'est l'enseignement d'une société, d'un monde de kufr. Une société qui valorise khalq. Khalq qui veut dire vous autres, c'est physique qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Veut dire sa société-là, il valorise ça qui est ce qui est de l'extérieur. Mais nous dit l'islam, il valorise ce qui nous dit khulq. Khalq. Avec fatha ou bien zabar, khulq avec dhamma ou bien pêche. Khulq
fin va allo din islam fin valorise ce que nous dire khulq plus qui khalq khulq c'est nous l'intérieur et nous din islam fin donne valeur nous l'intérieur plus qui nous l'extérieur plus qui nous physique quand nous pécose nous l'intérieur c'est husnul khulq khulq veut dire bon caractère. Nous prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Est-ce qu'il ne m'a pas informé concernant ben celui qui plie aimé à moi et ben qui vous plie proche avec moi jour qiyama. Ensuite lui-même lui répond la question. Il dit ahsanukum khulqa, c'est ben celui qui a meilleur caractère. C'est un hadith Ahmad. Maintenant, nous besoin comprendre c'est quoi meilleur caractère vous êtes. C'est quoi husnul khuluq. Meilleur caractère, c'est pas ce qui nous fait penser vous êtes. Meilleur caractère, c'est pas pour dire monsieur le premier ministre ou bien madame la présidente. Ou bien nous, quand nous faire un sourire général pour faire photographe content, ou bien quand on peut faire shake hand, ou bien pour madame quand on peut faire la bise. C'est pas ça qui nous appelle husnul khuluq, c'est pas ça qui nous appelle bon caractère. Husnul khuluq, vous êtes meilleur caractère ou bien bon caractère, c'est ça qui te chose invisible. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous cadeau. C'est une petite chose qui est à l'intérieur. Sa petite chose là, les cachettes. Sa petite chose là, les cachettes. Il y a un niveau qui beaucoup du monde dans la société les prend ça secondaire. Parce qu'il plie important, c'est quoi? C'est mon apparence, c'est mon couleur, c'est mon CV, c'est mon couleur léger. Sa petite chose qui est à l'intérieur là. Quand les dressés vous êtes, tout ce qui est bon en dedans, ça même pour paraître l'onu physique, ça même pour paraître l'onu action, ça même pour paraître l'onu parole et ça même pour paraître l'onu réaction. Veut dire contenu de nous intérieur, les pour montrer, les pour nous pour trouver à travers. Contenu qui est à l'extérieur, ce qui peut paraître de haut. Un musulman qui est vraiment en bonne santé, ce n'est pas un celui qui peine malade l'équerre. Un musulman qui est vraiment en bonne santé, c'est ça musulman qui se l'intérieur, les corrects. Quand en dans bon vous êtes, en de haut, ça dit moun là, a un caractère magnifique, tout dit moun content li. Sa beauté intérieure là, c'est sa même plus grande richesse qu'un musulman est capable de gagner. Pareil, comment fin fait mention de hadith précédent, celui qui a un meilleur caractère, il est plus proche avec nos prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, et il est plus aimé à nos prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, jour qiyama. Alors, pour nous comprendre, husnul khuluq, bon caractère, connaît qu'il est à trois niveaux. Premier niveau de caractère, c'est husnul khuluq lui-même. Alors, husnul khuluq, lui basé sur la justice. Si je tape un dimoun en calotte, lui retourne en calotte, ça c'est la justice. Ça c'est husnul khuluq, bon caractère. Je n'ai pas le droit de retourner parce qu'il retourne en calotte. Mais par contre, si je tape un kiken en calotte, mais lui retourne moi, lui vient vers moi avec 10 dimoun pour battre moi. Fait mal dormir à l'hôpital à cause d'une calotte. Ça, c'est l'injustice. Ça, c'est pas husnul khuluq. Deuxième niveau de caractère, khulqun karim. Khulqun karim, c'est un niveau de caractère-là. Si une personne dit, fait un audito, lui donne nous une claque, nous pardonne. Ça veut dire nous pas retourner pareil. Nous juste pardonne, nous pas fait rien. L'exemple de Habil et Kabil. Gosso de Adam alayhi salam. Quand Kabil peut menacer pour tuer son frère Habil, qu'il dit la imbasata ilayya yadaka. Même si tu lèves la main au moins, l'itak tout l'année pour tuer moi.
Ma anabiba setinya dia ilai kali aktulak mau papule vlamen lo tua moi putu tua inni akhafu Allah rabbal alamin certainement mon père Allah subhanahu wa ta'ala rab de salini viala. Troisième niveau de khulq de bon comportement c'est khulqun azim. Nous prophète sallallahu alayhi wa sallam li même li ti un modèle de caractère Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant lui wa innaka la ala khuluqin azim, qui certainement toi ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tu as un caractère, une moralité qui grand, qui supère, pas capable de comparer dans ce niveau là. Dans ce niveau là vous êtes si une personne de nous une calotte allo une ou pas sport de ni plus ou de ni favelo là. Côté existe ça vous êtes. Donc quand nous guette ça trois niveaux là vous êtes vraiment de dire nous pas réussi tombe d'un premier niveau. Vraiment de dire nous pas réussi tombe d'un premier niveau, assez imagine nous un deuxième niveau, troisième niveau. Parce que certainement d'un premier niveau là vous êtes quand un qui peut faire nous dit tout. Souvent des fois, nous retournons plus que ça. Alors, quand nous arrivons deuxième, quand nous arrivons troisième niveau, Youssouf alayhi salam, quand son frère finit cette leader, puis, jour, il retrouve ce bon frère, gagne honte, vous êtes. Le temps, ce bon frère gagne honte, je peux gagner tracas. Qui Youssouf pour dire je là? Youssouf dit je ne peux pas gagner tracas. Oubliez ce qui finit d'arriver. Et en même temps, Youssouf alayhi salam finit d'une autre bonne faveur. Une fois, une personne finit qu'un Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit qu'un tel peut faire te ribat. Alors, Hassan al-Basri, qui lui fait? Il n'est pas allé dans la guerre du monde. Hassan al-Basri finit faire envoyer un plateau de tam pour lui. Un plateau de tam. Après, il dit à sa personne-là, « M'a dit à qui te peut cause, me causer. » Et ensuite, il dit à m'a dit qui te finit de moi beaucoup bon action comme cadeau. Alors, moi, je peux repayer toi pour ce cadeau qui te finit de moi là. Nous connaissons quand on fait ribat du monde, nous pouvons prendre nos propres bons actions, nous pouvons donner ça à du monde là. Alors, Hassan al-Basri, donne le temps pour repayer sa cadeau là, sa cadeau de bon action là, mais seulement Hassan al-Basri, il dit comme ça, seulement te connais, te excuse-moi, mais je ne suis pas capable de payer toi complètement. Imagine-nous combien de bon action peut aller, depuis ça, je ne peux pas venir contre Hassan al-Basri. Mais quand tu es tam, il dit comme ça, te excuse-moi, moi, je ne suis pas capable de payer toi complètement. Ça, c'est le dernier stage de bon caractère. Pour nous capables de faire ça, l'intérieur, la vie jolie, vous êtes. Pour nous capables d'implémenter bon caractère dans nous-mêmes. Nous avons 6 règlements à respecter. Et ça, 6 règlements-là, c'est 6 C. Parce que tous les 6 règlements, ils commencent par C. Et c'est ça, 6 règlements-là même, qui pour régler nous l'intérieur. Premier, c'est nous besoin de développer une petite chose, c'est nous conscience. C'est ça la voix interne qui dit à nous quand on fait mal faire. Quand nous faisons mal faire une petite chose, nous faisons fauter, et il y a la voix en dehors qui dit à nous qui te fait mal faire. Et en même temps, nous gagnons notre affaire. Nous gagnons vente virée. Quand nous faisons mal faire, nous faisons fauter, nous gagnons vente virée. Et quand nous faisons une bonne action sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons un contentement. Nous conscience, li en un contentement, une satisfaction. Là. Par exemple, nous avons une famille d'adjifé, finance, nous passons à manger dans la carte, nous passons à travail, ou fin réussir sa personne-là, dans ce problème-là, qui qualité nous conscience et non une satisfaction, qui qualité un contentement en dedans. Ça, c'est la première étape. Pour nous capables de développer bon caractère dans nous. Deuxième étape, c'est la compassion, c'est gain traka bandimoun. Bandimoun est ce sentiment. Nous pouvons vivre dans une époque où vous êtes côte et non casse et non manger. Seulement dimoun peut mourir dans la famine. C'est parce que ban qui est non manger sur plus la case, je ne peux pas donner considération, je ne peux pas donner
je vais vous montrer la compassion avec ben celui qui peine à manger. Une fois Ibn Umar radiallahu anhu, tu dis bazar, une personne fait quelque chose casse, une personne lui fait quelque chose casse. Là tu dis mon de bazar, tu dis mon fait une mauvaise foi. Qu'est-ce que je dis? Je demande la destruction de sa volée là. Demande-toi destruction de sa volée là. Ibn Umar, sahaba, sahabi de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui lui fait, il lève sur la main, il demande-toi, qui lui dit, il dit, oh Allah Ta'ala, si sa personne n'a fin prend molosan, fin prend sa casse là, à cause il a un besoin, alors donne-lui bénédiction à sa casse là. Et au deuxième, il continue de dire, oh Allah Ta'ala, si sa personne là, il y a une volée professionnelle, vous êtes. Oh Allah, fais à qui c'est ça même ce dernier vol, ou bien fais à qui c'est ça même ce dernier péché, veut dire donne-lui la guidance. Subhanallah. Ça, c'est caractère, bon caractère qui nous besoin de développer. Qui lui paraît impossible, mais lui tout à fait possible. Troisième considération, vous êtes respectez nos prochains et nous pensons notre situation avant de nous prendre action. Nous besoin guide bien avant qu'il nous cause une parole ou bien faire une action. Vous êtes devant une personne, attention qui s'ablesse lui, ça n'appelle considération. Un jour, Ikrima radiallahu an, garçon de ban pire l'ennemi de l'islam, Abu Jahal, vous êtes. Ikrima peut venir accepter l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, lui dit à ce ban sahaba, radiallahu anhum, attention, pas mentionner non rien qui peut blesser Ikrima concernant ce papa Abu Jahal. En d'autres mots, c'est prendre sentiment Ikrima en considération, parce que c'est ce papa. Malgré qu'il fait mal faire, mais c'est toujours ce papa nous pas capable de blesser. Si un parent fait une faute aujourd'hui dans une société, les enfants la payent ça vous autres. Les enfants la payent ça, société résette-les. Est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce qu'il nous a cause mauvais avec un enfant qui ce papa les droguer, qui ce papa les voler? Est-ce qu'il nous blesse ses enfants-là, ce sentiment, ou bien nous compote nous-mêmes avec ses enfants-là? Quatrième, c'est courage, mon frère. C'est énorme la bravoure au bout des avec la vérité et avec ben, celui qui est dans la vérité. Ça aussi, il peut aider nous pour développer un ben, bon caractère en dedans. Pareil comme Moussa, alayhi salam, quand il finit de ce bâton, vous êtes, ce bâton finit de ne pas. Est-ce qu'il n'est pas fait une paix pour ramasser ce bâton-là? Oui, il est une paix. Mais les fins ramassent-les? Oui, les fins ramassent-les. Qui nous peut dire, même avec la peur, nous sommes bravo. Pas veut dire que nous payons, nous capons. Nous avons le droit à un petit la peur de commencement, mais en même temps, nous sommes bravo là-dedans. Alors, nous dire, ce qui est bon, vous êtes, c'est pour toujours bon. Ce qui est bon, c'est pour toujours bon. Même si un seul djimoun est dans l'eau sa chemin là, veut dire nous besoin, quand nous l'eau, si mais la vérité vous êtes, pas besoin de payer, nous foncer, même si nous tout seul. Et ce qui n'est pas bon, les pour toujours pas bon, même tout djimoun peut faire aller vous êtes. Cinquième, c'est contrôle nous ban désir, nous ban envie, contrôle nous colère, et surtout, plus important, contrôle nous la langue. Quand nous pas gagnons quelque chose qui nous vient en vie, nous avons une certaine colère. Nous avons une certaine colère et même nous disons une bêtise. Contrôle nos désirs pour mettre en tête ce qui est là pour gagner. Moi pour gagner, Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder moi li. Et si moi pas fin gagner, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne moi meilleur. Peine pour en colère. Finalement, contrôle nous la langue pour nous pas dire un mot qui peut être. Man mot quand nous dit mal dire à une personne, nous capable gagner pardon, nous demander pardon, mais ça n'est pas pour efface l'effet qui ça fait faire sur sa personne. Nous prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
un celui qui faux, c'est pas un celui qui vert, Benjamin, pas la fausse, mais un celui qui faux, c'est un celui qui contrôle lui-même. Quand il est en colère, sixième et dernier, nous besoin confiants, être confiants, c'est nous avoir confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quelle situation, souvent, nous fait une bonne action, nous attendre un résultat instantanément. Alors, nous besoin confiants qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour toute bonne action qui nous fait faire, Allah subhanahu wa ta'ala, libre récompense nous, dans une façon ou une autre. Au début de l'islam, nous prophète sallallahu alayhi wa sallam fin gain difficulté. Nous prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin gain difficulté de ce da'wa. Je fin faire tout pour nous prophète sallallahu alayhi wa sallam paraître mauvais. Je t'in faillir parce que nous prophète sallallahu alayhi wa sallam ce akhlaq qui supère, il y a un caractère, une moralité à un niveau top. N'importe qui commenter. Dimoun Féalo, nous vous êtes peinants pour gagner ce tracas. Et n'a confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire la justice. Bon Dimoun, pour tout le temps, trouve la différence entre la vérité et fausseté. Donc, frère en islam, vraiment, pour développer un bon caractère, il est très, très difficile, surtout dans une société qui, aujourd'hui, nous peut vivre dans l'injustice. Et l'islam est toujours dans l'actualité comme une religion barbare. Alors, développe husnul khuluq, développe bon caractère, lis une façon pour démontrer le monde, le vrai enseignement islamique. Nous demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous réussir, applique ces six règlements-là, conscience, compassion, considération, courage et contrôle, et dernier, confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous réussisse développe bon akhlaq. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam.